Mama Sichuan Huangshi. Neuf cours différents de chinois sont actuellement proposés au Centre culturel de Chine à Paris, où les étudiants sont répartis parmi 81 classes. Arthur. J'étudie le chinois parce que je trouve ça très beau. Les personnages sont jolis et ça sonne bien. J'apprends aussi à l'utiliser. C'est différent des langues indo-européennes. Le nombre d'étudiants au centre est passé à plus de 900, alors que le premier groupe en 2003 n'en comptait que 46. Parmi les différents cours proposés figurent des instruments traditionnels chinois, le jeu de go, la calligraphie, le thé et les soins de santé. Il existe peu de centres comme le Centre culturel de Chine. Il est très professionnel et peut rivaliser avec d'autres pays, nations et autres centres culturels dans une ville comme Paris, qui présente une vie et une culture diversifiées. Il aide grandement notre éducation chinoise. Je crois que les échanges entre les deux pays s'approfondiront. Le Centre culturel organise également chaque année plus de 200 activités dans divers domaines, notamment des expositions, des spectacles et des forums de reportage. Des événements tels que le Festival du film chinois, le Festival de l'opéra chinois et le Festival de l'art populaire chinois y sont devenus des événements célèbres.